Peut-on être un bon data scientist sans maîtriser les mathématiques et les modèles qui sont derrière les outils que vous utilisez? La réponse est pas vraiment. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler des usages possibles d'un modèle et vous décrire un modèle. Reprenons l'épidémie de Covid-19. Si on veut aller au-delà d'une simple visualisation cartographique, qu'on veut comprendre les dynamiques passées, comprendre les dynamiques à venir, on va avoir besoin de modèles. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler des différents éléments et des types de modèles qu'on peut utiliser en data science. Le modèle linéaire, par exemple. On peut utiliser évidemment des mathématiques. Beaucoup de champs des mathématiques sont très utiles, voire absolument essentiels pour comprendre la data science. L'algèbre, l'analyse, tout ce qui est probabilité, statistique. Alors aujourd'hui, je vais me mettre dans la définition d'un modèle avec l'exemple de la régression linéaire, qui est un cas particulier du modèle linéaire. Dans ce cas, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des variables explicatives, et qui est pour le cas du modèle linéaire, la régression linéaire, pardon, continue, et d'une variable à expliquer, qui est également continue. Je vais vous détailler ce que veut dire une variable explicative et une variable à expliquer. Alors, une régression linéaire, c'est une forme, ça va être utilisé en quelque sorte, je vulgarise, pour simplifier la réalité. Alors, le cas que je voulais vous montrer, c'est le cas entre, si on veut faire une corrélation entre le nombre d'années d'études et vos revenus. Alors, cet exemple est un peu particulier où on considère que le nombre d'années d'études, plus on fait d'années d'études, moins bien on est payé. Et c'est parfois vrai. Quand on fait un doctorat, plus on fait d'années d'études après le master pour avoir un doctorat, eh bien, moins bien on est payé. D'où la forme de cette courbe. Pourquoi? Parce que, à part si on est dans des domaines très techniques comme les mathématiques ou plutôt l'intelligence artificielle, c'est pas toujours bien considéré de faire un doctorat en France. Alors, dans ces deux cas-là, on va mettre en place des modèles pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Je précise. Est-ce que vous avez, comme moi, un petit peu cette intuition de vouloir tracer un trait, une droite, au sein de ce nuage de plans? Eh bien, ça, c'est typiquement ce que l'on fait quand on fait une application du modèle linéaire, c'est tracer la droite la plus pertinente, celle qui décrit mieux le nuage de points que vous voyez ici. Alors, ça peut être aussi bien dans une logique de description de ce nuage de points que de prédiction, c'est-à-dire que en termes de prédiction, vous me donnez votre nombre d'années d'études et moi, je vais essayer de prédire quel est à peu près votre salaire. Et du coup, je vais revenir, j'espère que vous avez encore quelques souvenirs du lycée, sur la fonction affine. Pour vous détailler comment on va utiliser cette fonction affine, déjà, il faut distinguer les deux variables que nous avons en face de nous. Il y a la variable à expliquer. On appelle ça aussi parfois la variable dépendante. Dans ce cas, c'est le salaire. Et ensuite, la variable indépendante, c'est la variable explicative, c'est le nombre d'années d'études, puisque c'est ce que vous voyez sur l'axe des x, l'axe en bas, on appelle ça l'abscisse, c'est souvent la variable indépendante, et la variable dépendante, l'axe des y, sur l'ordonnée. Et la fonction affine, je vous donne quelques rappels, c'est une fonction de type y égale ax plus b. Là, vous avez quand même besoin d'un niveau juste lycée pour comprendre ça en mathématiques. Alors, je vous détaille ce que veulent dire chacun de ces chiffres. Le y représente l'ordonnée, l'axe vertical, le x, l'axe horizontal, l'abscisse. Et le a et le b vont être la pente de la courbe et l'ordonnée à l'origine. Alors, par exemple, dans le cas de l'ordonnée à l'origine, si je fais varier l'ordonnée à l'origine, le niveau auquel commence la pente, en fait, il va changer. Et c'est ce qu'on appelle parfois, ce qu'on appelle en anglais l'intercept. Vous voyez la différence entre une pente là qui est sur le nuage de points et qui va être sous le nuage de points. On va faire varier un petit peu ça, sans nécessairement faire varier la pente. Maintenant, si on veut faire varier la pente, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine peut rester la même, mais cette fois, la pente va évoluer. Et donc, c'est ce qui va faire que l'ordonnée à l'origine, l'endroit où la ligne, la droite, rencontre l'ordonnée va rester la même, mais en revanche, la pente va évoluer comme ça. Donc ça, c'est des petits rappels sur la fonction affine. Là, je vous montre deux droites qui correspondent à des pentes différentes. Donc voilà, ça, c'est la pente.
Et donc, c'est l'élément, le fameux A, en fait, qui est dans cette équation. Donc, vous voyez que déjà, on sait décrire cette droite rouge qui traverse le nuage de points. Maintenant, il reste un élément, c'est l'écart entre la droite et les points, et les différents points du nuage de points. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, les résidus. C'est-à-dire que ça va être le bruit entre la différence entre la réalité et votre modèle qui simplifie cette réalité. Et ces résidus, on va essayer aussi de les quantifier. Et c'est ça qui va permettre de voir si votre modèle est suffisamment précis et décrit bien la réalité comme vous le souhaitez. Alors, l'équation de la droite rouge, en fait, on ne va pas faire AX plus B. Hein, souvent, on va utiliser d'autres coefficients. Là, Y égale bêta 0 plus bêta 1 X, mais ça revient exactement à la même chose que Y égale AX plus B. Et pour retrouver tous les points et décrire tous les points que vous avez là, on va rajouter le terme des résidus et ça va être le petit epsilon, qui est en quelque sorte l'erreur du modèle. C'est ce que le modèle n'arrive pas bien à prédire. Ces résidus, ils vont être très importants à quantifier, évidemment. Alors, quand en fait on utilise un modèle, souvent c'est ce type d'éléments qui sortent et avec des tables chiffrées, on va regarder les différents paramètres. Là, j'ai entouré en rouge un élément et ça va être ce type de chiffre qui correspond au A du AX plus B. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait, souvent les modèles, ça reste assez simple. Et du coup, on va avoir aussi leur donnée à l'origine, ce qu'on appelle l'intercept qui va correspondre au B du AX plus B. Donc voilà, tous ces chiffres que vont sortir des modèles, il faut absolument être capable de les raccrocher aux équations qu'on a vues. Et là, dans le cas des résidus, on va calculer ce qu'on appelle la somme des carrés, notamment. Et la somme des carrés, ça va être l'écart entre, donc là, les petites droites bleues que vous voyez, l'écart entre la réalité et votre modèle, la ligne rouge. On va les passer au carré. Et en fait, c'est-à-dire au carré, c'est-à-dire, par exemple, 2 fois 2, 2 fois 2, c'est le carré de 2. Et on va être capable de sommer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on était capable de décrire entièrement un modèle, la courbe, notamment la régression linéaire, en connaissant un paramètre, on peut estimer l'autre. Exemple, on connaît votre nombre d'années d'études, on remonte, on atteint la courbe, la droite rouge hein, de la régression linéaire, et on est capable ensuite de regarder à quoi ça correspond en termes d'ordonnées, et on obtient votre salaire prédit, c'est un salaire estimé. Et quand on fait une estimation comme ça, on met souvent un petit chapeau. Et pour dire Y, ce n'est pas votre salaire, c'est votre salaire estimé, c'est la prédiction. Ensuite, il y a une question d'écart entre l'estimé et le réel. C'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas une prédiction parfaite et on ne va pas vous dire exactement ça correspondait à votre salaire. Et donc ce petit écart entre ce qu'on a estimé et votre salaire réel, eh bien on va le calculer et à force de faire ça sur beaucoup d'individus, on peut estimer les résidus du modèle. Et ces résidus, vous le voyez là un petit peu en dessous là sur la table d'ANOVA, c'est très important de les quantifier dans un modèle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le choix du modèle est très important pour un data scientist. Ça ne va pas être du tout les mêmes modèles si on traite de variables qualitatives ou de variables quantitatives. Typiquement, si on fait une analyse de série temporelle, hein, c'est-à-dire une analyse d'une série de données prises au fil du temps, on va prendre un autre modèle que le modèle linéaire et la régression linéaire qui va être un modèle autorégressif. Et vous voyez, l'équation est un petit peu différente de ce que je vous ai montré avant. Cette fois, dans cette équation, la valeur à un temps t dépend en grande partie de la variable à un temps t-1. Et ainsi de suite. Et on ne va pas faire une droite qui passe à travers ces différentes données. Et donc, on va essayer de mettre en place tout un tas d'éléments pour trouver le bon modèle pour vos données, et ainsi de suite.
Alors, je m'excuse, cette vidéo a été assez longue. L'idée maintenant, c'est que vous ayez suffisamment de compréhension de ce que c'est un modèle pour savoir si vous voulez aller dans ce type d'approche. Évidemment, vous ne pourrez pas faire abstraction d'un certain niveau de mathématiques. Alors, si vous trouvez que les explications que je vous ai données ici sont compliquées, sachez que c'est le plus simple des modèles. Et plus vous serez un data scientist confirmé, plus vous serez capable de manier des modèles complexes avec de nombreux paramètres.